Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul action. Alors aujourd'hui, il pleuvait chez nous donc et on n'avait pas envie de rester à la maison. Donc on a été faire un peu les magasins. Jour pluvieux, jour de magasin. Je sais pas si c'est toujours bon pour la carte bleue, mais c'est pas grave. Donc nous sommes allés à Noz. Noz, nous avons trouvé quelques bricoles, mais pas, j'ai pas trouvé de loisirs créatifs pour moi. J'en ai trouvé pour les filles déjà, c'est bien. Mais j'en ai pas trouvé pour moi. Et ensuite, nous avons été à Action. Et à Action, en ce moment, là, jusqu'à mardi, moi, il faut aller, si vous voulez encore payer vos toiles pas trop chères, à 2,98 € il me semble. Ben, je vous invite à aller faire un tour, puisqu'à ma grande surprise, j'avais lu sur des groupes Facebook que les toiles en promo, enfin dans les semaines d'action, c'était les anciennes toiles qu'on avait déjà, vous savez, la fleur, la rose multicouleur, les chevaux et le chat dans le pot. Et ben, j'avais dit à mon mari, ben, écoute, ça sert à rien d'y aller, ça sert à rien de se précipiter, puisque les filles ont dit que c'était les anciennes. Sauf que je vais faire un tour à Action. Et là, je vois une toile avec un coloris qui ne me dit rien. Vous savez, la boîte qui ne me dit rien. Par curiosité, je vais regarder. Bon, et ben, je vais vous montrer. J'ai quatre toiles. Sur les quatre toiles, j'en ai une qui était déjà sortie que je voulais pas, mais ma petite Manon a craqué dessus. Donc, je vais lui faire. Donc, celle que Manon a craqué, c'est celle-ci. C'est le petit chat dans son pot de fleurs. Donc elle a craqué, elle avait craqué dessus. J'avais dit oh, ça m'embête. Et là, enfin, ça m'embête de la prendre parce que je vais pas, je vois pas quoi en faire machin. Et quand Manon l'a vu, bah Manon a craqué dessus. Donc bah, j'ai craqué, je lui ai pris et je vais lui faire. Alors faut que j'attende d'avoir fini des toiles, hein, mais je vais lui faire. Donc la voici, la voilà. Je vais la mettre un peu de l'autre côté. Hop. Voilà, donc là voilà, on a la feuille et la toile est composée de 8 et 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 couleurs. Donc dans les 26 couleurs, il y a 2 AB d'après ce qu'on peut voir puisque c'était marqué White AB Coated. On a le toolkit. Hein. Ah, c'est des petits pains de colle cette fois. Et ouais, il y a 2 AB, du violet et du rose. Ouais, regardez les couleurs. Alors, je déballe pas les couleurs hein, parce que vous savez que maintenant je ne sais point les remettre correctement, donc je ne les sors plus. Regardez-moi ça. Ça fait quand même de belles couleurs. Donc voilà. Donc je l'ai pris pour Manon. Donc Manon aura sa toile du chat de fête. Donc là, c'était encore les semaines d'action. Sinon, c'est 4 euros. C'était pendant la semaine d'action. Sinon, c'est 4 euros 19 ou 29. Je ne sais plus. Enfin, bref. J'en ai fait deux actions. Parce que j'ai dit à mon mari, j'ai dit, ça se trouve, dans l'autre action, il y en a une chance sur deux qu'il y en ait quand même des nouveautés. Parce que c'est vrai que j'ai bon, j'ai plus que deux actions à côté de chez moi. Hein. J'en ai quatre vraiment autour de chez moi. Un qui est à 10 minutes à pied, mais j'y vais pas trop dans ce action-là. J'en ai un à quelques kilomètres, enfin pas les deux autres sont à quelques kilomètres, et puis bah, en général je les fais. Mais comme je fais plus de points de croix que de painting, bah voilà, je tombe dessus, c'est bien, j'en prends, si ça me plaît, si je tombe pas dessus, voilà. Mais là, il y avait trois nouveautés. Il y avait ce petit écureuil que l'on voit en affiche sur leur panneau publicitaire. Donc ce petit écureuil. Voilà. Donc moi je l'ai trouvé sympa. Il y avait ça. Donc ça je l'ai trouvé dans le deuxième action que j'ai fait. Donc là ils nous disent des métalliques. Des métalliques. On va voir ça. Voilà, après j'ai fait, il y avait dans le deuxième action que j'ai fait, bah donc pour... Non, j'ai... Non, celui-là dans le deuxième, non, dans le premier. Dans le premier, dans le premier. Dans le premier, j'avais l'écureuil et un autre. Dans le première action, bon, il y a resté
quelques toiles qui se battaient en duel, mais j'avais de la chance. Il y avait le petit écureuil qui m'attendait et l'autre. Et une des deux autres. Donc, regardez-moi cette toile. Ce petit écureuil-là, pour l'instant, je trouve qu'on le voit bien. Ça fait pas trop AB. Bon, par contre, je pense qu'on va avoir beaucoup de tons marrons. Je pense qu'on va jouer dans les marrons. Ouais, on va être dans les marrons, marron foncé, dans les bruns. Donc, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 couleurs. Parce qu'on a notre petite feuille. On a le toolkit, hein, comme d'habitude. Et on a tout ça. Alors, regardez, on a du bordeaux, on a du vert foncé. Vous voyez, on voit qu'on joue quand même dans les teintes marronnées. Et en cristal. En métallique, on a du rouge et de la couleur or pour mettre. Et on voit ici que la couleur or, c'est pour venir mettre au niveau de la queue de l'écureuil. Donc, c'est pour donner certainement un relief. Ou... Donc, voilà les nouvelles toiles. Une des nouvelles toiles que j'ai pu trouver. Le petit écureuil. Ensuite... Donc ça, c'était dans le première action avec l'autre toile que je vais vous montrer. Hop. Alors, il y avait évidemment aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anciennes toiles. J'étais avec ma fille Lilou et elle a rigolé parce que ils n'étaient pas mis dans le rayon où on les trouve d'habitude. Hein. Ils étaient dans le rayon semaine d'action. Dans le deuxième, et moi j'ai vidé quasiment tout le rayon pour voir s'il n'y en avait pas d'autres modèles de cachet. Sait-on jamais. Le deuxième que j'ai trouvé en même temps que l'écureuil, c'est ce pot de fleurs. Voilà. Alors je sais pas trop c'est quoi les fleurs, mais j'ai adoré tout de suite la couleur. Et ma grand-mère en avait, donc... voilà, donc j'ai aimé la couleur. Je suis pas trop fleur d'habitude, mais là j'ai aimé la couleur. Et... Hop. Et le fond, franchement, il est trop sympa. Ouais. Un dégradé de gris et de rose. Donc, on a le toolkit, hein, comme d'habitude. Et là, je crois que c'est des diamants classiques. Ah, bah non, on a des diamants spéciaux. Bah oui, en plus, ça se voit sur la boîte. Mais n'importe quoi. Ça se voit sur la boîte qu'on a des diamants spéciaux. Hein. Heureusement. La toile est composée de 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 couleurs. Donc, 27 couleurs en ayant compté les diamants spéciaux. Donc, en spéciaux, on a des petites fleurs roses et des mini-dômes transparents holographiques. Regardez les couleurs, on a du rose, on a du bleu, on va forcément on a du vert, hein, puisque il va falloir faire les tiges des fleurs, on a du beige, regardez, franchement ouais c'est sympa. C'est quand même très sympa comme couleur, donc j'ai envie de dire qu'il nous ait sorti quelques toiles pendant la semaine d'action. C'est très bien aussi. Moi, franchement, je me suis dit... Alors, c'est vrai que je m'étais dit, je pense à rien que j'y aille, parce que ça va certainement être... bah les entre guillemets la nouvelle mais en même temps qui est ancienne parce qu'en fait nous en sortent tellement assez rapidement que bah c'est nouveau mais en même temps c'est pas nouveau puisque mais c'est vrai que la dernière fois où ils ont fait dans une semaine d'action qu'il y avait des paintings il y avait de la nouveauté donc bah là j'ai vraiment trouvé un coup de chance parce que merci la pluie on va dire et j'ai trouvé le lion et la lionne voilà. C'est des 30 par 40, j'ai oublié de vous dire. Le lion et la lionne. Et là, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai adoré. J'ai juste préouvert les boîtes. J'ai adoré. Et là, bah en fait, c'est la seule en format paysage. Parce que les autres sont en format portrait. Et regardez. On distingue bien le lion et la lionne. Franchement. Et la toile, elle a... 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 couleurs. On a pu, avant on avait les nombres, on avait les strass, on pouvait compter. Là, ils les ont pas mis. Et voilà, regardez. Franchement, regardez-moi ça.
Les couleurs sont top. On n'a pas plus de... Ouais, je vais le dire, on va jouer sur des couleurs assez foncées. Mais franchement, j'en vois pas plus que ça. Donc après, faut voir le rendu. Mais là, j'en vois pas plus que ça. Enfin, là, comme ça, c'est pas pixelisé. Donc avec les strass, on verra bien le résultat. Le lion et la lionne resteront le lion et la lionne. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je vois pas de couleurs plus... Il n'y a pas énormément de couleurs foncées. En fait, je m'attendais à plus, peut-être un petit peu plus que ça, en fait, niveau strass. Et non, pas du tout, en fait. Vous voyez? Donc, ouais, c'est top. C'est top. Alors, hop. Alors, je ne sais plus ce qu'il y avait sur la fiche publicitaire. Je ne sais plus il y avait quoi vraiment sur la fiche publicitaire. L'écureuil, c'est sûr, parce que... j'ai dit à un moment, je dis, bah, c'est bizarre parce qu'ils nous mettent les... Enfin, en général, c'est vrai que entre temps qu'ils nous les mettent sur le site, que ça sorte, les semaines quand ils nous font les semaines d'action avec le painting, et puis que en général, c'est vrai que ce qu'ils nous mettent sur leur feuille, leur panneau publicitaire de semaine d'action et l'étoile qu'on a dans le magasin, c'est pas du tout la même chose. Mais là, en l'occurrence, l'écureuil y était, c'est sûr. Donc voilà. Les trois modèles, on va dire, que vous pouvez trouver, les trois nouveautés, là, que vous pouvez trouver chez Action. L'écureuil, le pot de fleurs et le lion et la lionne. Voilà, ça, c'est y était déjà. Elle avec la collection de la rose multicouleur, le papillon sur fond noir et les chevaux. Ça, on va dire que c'est une nouvelle collection. Alors, je pense qu'il y en avait une autre. Quoi, je ne sais pas. Mais même ceux-là, je ne les ai jamais vus sur le site. Hein. Ça ne me dit rien. Ça me dit rien. Après, je reste pas scotchée sur le site non plus. J'y vais pas tous les jours. J'y vais une fois de temps en temps. Moi, quand j'y vais, c'est surtout pour voir les semaines d'action. Et l'été, j'y vais pas parce que je me dis qu'il n'y a pas vraiment grand-chose pour le loisir créatif. Mais là, en l'occurrence, c'est bien tombé. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, bye.